Donc, je vais vous parler de l'histoire que j'ai un petit peu abordée la dernière fois quand je parlais de mon genou. Je vais vous parler du Japon. Alors, le Japon, c'est un voyage que j'ai fait avec mon petit frère. Il y allait pour l'école, donc il y avait sa classe, pas tout le monde, parce que c'était à chacun de devoir se débrouiller pour payer les logements, le billet d'avion, s'organiser et tout ça. Donc, tout le monde n'était pas là, mais il y avait quand même une bonne majorité de sa classe. Et c'est pour ça que j'ai pu me greffer au voyage, parce que c'était pas du tout organisé par l'école, c'était juste un échange. Il y a eu des élèves japonais qui sont venus dans ces écoles, dans son école à Paris, et il y a donc eux qui sont allés une semaine dans l'école des Japonais à Osaka. Au départ, il faut savoir que ma mère ne voulait pas le laisser partir, et parce que mon frère est complètement couvé, c'est le petit dernier. Et elle voulait pas le laisser prendre l'avion, aller tout seul au Japon, enfin c'était impensable pour elle. Ça faisait que un an qu'il prenait le train pour aller à l'école à Paris, et déjà ça avait été dur comme étape. Donc là, prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, je vous garantis qu'elle n'était pas chaude. Donc elle voulait pas qu'il y aille à la base. Et je lui dis, mais ça va pas, t'es obligée de le laisser y aller, c'est le Japon, c'est peut-être le voyage de sa vie. En plus, mon frère, c'est un artiste, c'est un dessinateur, il adore les mangas. Donc je lui dis, c'est peut-être le voyage de sa vie, tu peux pas le priver de ça, il faut qu'il y aille. Je lui dis, si tu veux, je vais avec lui. Si ça te rassure, je vais avec lui. Le Japon, je m'en foutais, ça ne m'attirait pas du tout. Je pensais que c'était des grosses villes, de la lumière, du bruit, des grands bâtiments, de la technologie, des jeux vidéo. Pour moi, le Japon, c'était ça, des mangas, des publicités de partout. Vous savez, cette image, moi j'avais en tête cette image du métro de Tokyo à l'heure de pointe. Oh, ça m'a fait un frisson. Tout le monde qui est collé là dans. Qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre, ça rentre toujours quand ça ferme, les mecs qui sont collés à la vitre et tout. Moi j'avais ça, ça m'angoisse, c'est vraiment le truc que je déteste. Donc pour moi, le Japon. À la base, c'était hors de question. Pour ceux qui pensent ça, le Japon, c'est pas ça du tout. Peut-être Tokyo à l'heure de pointe, mais le Japon, c'est pas ça du tout. Le Japon, c'est extraordinaire. Il faut y aller. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Donc, nous finissons par partir, par prendre nos billets. On part au Japon. Et il faut savoir deux choses. Un, mon frère est épileptique. Deux, ma mère m'a dit, avant de partir, je te préviens. T'as intérêt à ce qu'il ne se passe rien. Sous-entendu, t'as intérêt qu'il arrive rien à ton frère, quoi. Donc, retenez bien tout ça. Donc, mon frère avait une semaine où il devait être en école avec les Japonais, qu'il a séché entre nous. Bravo, je te félicite pas, Antoine. Et une semaine libre, du coup, on avait décidé d'y aller une semaine plus tôt pour pouvoir visiter et tout. On a pris le billet d'avion une semaine avant la semaine où ses profs étaient là. Donc, on est parti 2 semaines. Sur ces 2 semaines-là, on a fait une semaine de visite ensemble. Et la semaine où il était censé être à l'école, moi, j'avais décidé de partir 4 jours en randonnée toute seule sur ce qu'on appelle le Kumanokodo. Et j'avais décidé de faire une portion de randonnée. Donc sur 4 jours, qui est une ancienne route royale en fait, qui mène à un temple qui est juste incroyable, un énorme temple avec une grosse cascade derrière, enfin un truc incroyable. Donc j'avais prévu de marcher 4 jours et de rentrer de là en transport jusqu'à Osaka. Donc ça c'est ce qui était prévu dans ma tête. Je décide, donc je pars d'Osaka en train pour aller au point de départ de ma randonnée. Il faut savoir que là-bas, on n'avait pas de forfait de téléphone spécial pour le Japon avec mon frère, parce qu'on avait vu que dans chaque gare, chaque station de métro, parfois dans la rue, dans les centres commerciaux, qu'il y avait du Wi-Fi partout. Donc on s'est dit, à notre auberge de jeunesse, pareil, il y avait du Wi-Fi, donc on s'est dit, quand on utilisera Internet quand on sera dans ces endroits-là. Si on a besoin d'Internet, on ira dans une gare, on ira dans une station de métro et on aura Internet. Donc on n'avait pas de forfait. Donc je prends mon train pour partir à cet endroit de départ de ma randonnée. Si je trouve les lieux
De tout ce dont je vais vous parler, je vous les mettrai en bas parce que je me souviens plus du tout des noms. Déjà que les noms de villes en règle générale, je m'en souviens pas, mais alors en japonais, c'est je n'ai rien retenu du tout. Donc je vous mettrai les noms des endroits en bas si je les retrouve. Et pareil, si je retrouve des images, j'essaierai de vous les intégrer au fur et à mesure. Donc, mon frère et moi étions basés à Osaka. Je prends le train toute seule pour partir à mon point de départ de randonnée. Et à chaque changement, donc dans les gares où je faisais un changement de train, mon téléphone se connectait donc à Internet, au Wi-Fi de la gare. Et à une des gares, à un des changements, je reçois plein de notifications Messenger et je vois que mon frère a essayé de m'appeler plein de fois. Donc je me dis ok, il doit avoir un truc à me demander, il doit se passer un truc, j'essaie de rappeler, ça capte mal, ça coupe, j'entends pas bien. Au bout de 5-6 fois, j'arrive enfin à entendre. Et là, il me dit, Harry, c'est ton frère, il est à l'hôpital. Et en fait, je me rends compte que du coup, c'est pas du tout mon frère au téléphone. Et que c'est son pote, en fait. Je me rends compte que c'est son pote qui me parle et qui me dit que mon frère est à l'hôpital. Donc la panique à bord. Il faut savoir que le mec n'avait pas fait de crise d'épilepsie depuis des mois et des mois. Et le gars attend d'être sous ma responsabilité à l'autre bout du monde, quand ma mère m'a menacé, pour faire une crise d'épilepsie. Donc il fait une crise d'épilepsie, je m'enjaille là. Pardon, je me suis emballée, j'ai crié. Donc je parle à son pote qui me dit que mon frère est à l'hôpital, je lui dis de m'envoyer tous les détails et je fais demi-tour. Bon, moi j'avais déjà payé mon billet de train jusqu'au bout, mais tant pis, je reprends un billet, je fais demi-tour et je vais à l'hôpital que j'ai galéré à trouver, soit dit en passant. Je trouve l'hôpital et donc je finis toute la journée à l'hôpital. Donc mon frère allait mieux, c'était déjà ça. J'ai attendu longtemps avant de voir un médecin, j'ai attendu longtemps pour tout ce qui était administratif en fait. Je me suis occupée de gérer les assurances, le paiement. On n'avait pas d'assurance voyage en plus, donc fallait faire le lien avec mon assurance, nos assurances en France, avec ma mère, pour la tenir au courant, m'occuper du paiement de l'hôpital, de signer les documents, de réceptionner tout ça, et de réceptionner mon frère, d'attendre qu'il sorte, quoi. Donc on a attendu avec son pote à l'hôpital toute la journée. On part, on ressort de là dans la soirée, donc forcément je reprends pas mon train ce jour-là. Donc ça commençait plutôt pas mal, ma randonnée. J'avais déjà une journée en moins, donc sur les 4 jours, il me restait que 3 jours. Donc quand je dis 4 jours, c'était transport compris. Alors, pourquoi mon frère a fait une crise d'épilepsie? Parce qu'ils ont décidé d'aller dans un centre commercial avec son pote et d'essayer des casques VR. Et son cerveau n'a pas supporté les épileptiques, pas de casque VR. Ça marche pas. Donc j'ai décidé de repartir quand même. À l'aller, problème dans les trains. Il y a un train qui tombe en panne, qui est annulé, qui est supprimé. Donc je me dis, allez, c'est reparti. Sauf que je suis au Japon. Et au Japon, tout est millimétré, orchestré. Les retards de train, ça n'existe pas. Tous les trains qu'on a pris étaient pile à l'heure. Les transports en règle générale, train, métro, c'est vraiment pile à l'heure. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de... C'est pas Paris, c'est pas la France, c'est pas... Oh, c'est pas la SNCF, quoi. Là, le train est supprimé. Et en fait, comment je l'apprends? Il y a un gars qui vient, un gars de la SNCF du Japon, la société de train, qui vient dans le train, qui nous dit de le suivre. On le suit tous. Il nous emmène à un endroit dehors, à l'extérieur de la gare. Ils nous expliquent que notre train est supprimé et que donc ils ont mis en place des navettes qui devraient arriver. Ils se sont excusés à peu près 1 milliard de fois pendant la petite demi-heure pendant laquelle on a attendu les fameuses navettes. Ils ont fait que de s'excuser. Mais je crois qu'ils se rendent vraiment pas compte de comment c'est la galère en France. Les mecs, ils te prennent en charge direct là. Ils te prennent en charge, ils te disent suivez-moi, t'es pas perdu, t'es étranger, tu sais. T'as pas besoin de te stresser en fait. Donc on les a suivis, ils nous ont emmenés. On a la navette qui est arrivée, la navette qui nous emmène donc là où notre train devait nous emmener. Donc finalement, on avait un minibus dans les montagnes.
avec des vues incroyables. Et le mec qui en plus nous expliquait, alors il parlait beaucoup en japonais, mais des fois il parlait en anglais. Il nous expliquait des trucs, il faisait des blagues. Enfin, c'était une ambiance de ouf, minibus avec tout le monde qui rigolait. Tout minibus, quand je vous dis minibus, c'est un gros Uber quoi. On était peut-être 7 ou 8 dans le truc. Donc franchement c'était génial. Et ensuite j'arrive au point de départ de ma randonnée que je galère à trouver. Je galère à trouver, faut savoir que là-bas c'est rare les gens qui parlent anglais. Hein. Donc je galère à trouver quelqu'un qui m'aide. Je trouve l'office du tourisme qui m'indique enfin d'où est-ce que je dois partir. Et la nana, au moment où je pars, elle vient avec moi dehors et elle me rattrape enfin un peu derrière moi et elle dit par contre faites attention aux ours et aux serpents. Non, elle m'a pas dit les ours. Elle me dit par contre faites attention aux serpents. Oui, d'accord. Elle me dit si le serpent il reste normal comme ça va, c'est pas grave. Mais s'il commence à se mettre à se plier comme ça, à se plier comme ça en zigzag, il sait qu'il prend de l'élan pour vous sauter dessus. Genre la meuf qui est pas stressante du tout. Ok, d'accord. Vive le Japon. Je savais qu'il y avait les frelons. Maintenant, je savais qu'il y avait les serpents. Et il fallait que je parte toute seule dans la forêt pendant 2 jours. J'en ai des frissons. Elle m'a mis un petit coup de stress que je n'avais pas. Je venais de voir, sortie du train, qui était une espèce de funiculaire qui était incroyable d'ailleurs, pour monter tout en haut de la montagne. Et je venais de voir un panneau, déjà, avant d'arriver à l'office du tourisme, où il y avait écrit attention aux ours et quoi faire en cas de. au cas où on croise un ours. Donc, je me suis dit, mais dans quoi je suis en train de m'embarquer? Donc, je pars enfin sur mon sentier de randonnée. Je marche toute la journée, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Là, je pars, il est 10h. Et j'ai marché jusqu'à 17h30, 18h, un truc comme ça. Et sauf que, sur les derniers kilomètres, en fait, toute la journée, j'ai fait que monter ou marcher sur du plat. Et sur les derniers kilomètres, c'était de la descente. Et mon genou faiblit dans les descentes, surtout bah, en fin de journée quoi. Et j'ai eu de plus en plus mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal. Et en fait, j'y avais pas pensé, mais ça faisait quelque temps que j'avais mal quand j'ai parti en randonnée. Sauf qu'en fait, c'était pas impossible parce que à l'époque j'étais en couple et quand on partait randonnée, on partait toujours à deux. Et que sur la fin, en fait, je m'appuyais sur lui. Je m'appuyais sur son épaule, il me donnait la main, il m'aidait à descendre ou à monter quand j'avais vraiment très mal, et finalement, la randonnée, j'arrivais à la finir. Et ça restait pas en tête comme un truc impossible pour moi. Sauf que là, j'étais toute seule. Mais il y avait, quand je vous dis que j'étais toute seule, sur mes 2 jours de randonnée, j'ai dû croiser, franchement, 5 personnes qui marchaient. Et j'avais hyper mal au genou. Sachant que, vu que je marchais seule, j'ai compensé sur l'autre genou et je commençais à avoir mal à l'autre genou. Donc en fait c'était insupportable, j'avais de plus en plus mal, mais je devais continuer parce que la nuit tombait et j'étais encore très loin de l'étape que je m'étais fixée, de là où j'avais prévu de trouver une auberge et de dormir. J'avais réservé aucune auberge, je savais où il y en avait, je savais où je devais aller, mais j'avais rien réservé. Et j'arrive en fait au dernier kilomètre. Avant un village, je pense que je me suis trompée de chemin, je suis sortie du sentier officiel et le dernier kilomètre était, mais genre, mais je vous mens pas, c'était vraiment en pente de ouf, j'avais mal au genou, je ne vous raconte même pas, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus, je savais que la nuit tombait, je savais que je savais pas où je dormais, que j'étais très loin d'être arrivée là où je voulais arriver et je me suis assise par terre. Pour descendre en fait la côte, je suis descendue en mode toboggan quoi. J'ai fait le dernier kilomètre sur les fesses en pleurant, mais vraiment j'étais mal, j'ai pleuré. Je savais que le lendemain je devais marcher pour rentrer. Comment j'allais faire en fait? Et j'arrive sur une route, je vois un arrêt de bus, je vais à l'arrêt de bus, je me dis on ne sait jamais, il y aura peut-être une connexion wifi. Là il faut savoir que je suis au milieu de nulle part. Au milieu des montagnes, dans un minuscule village dans lequel les maisons, je sais pas, il y avait peut-être 10 maisons, mais elles ont même pas côte à côte, quoi. C'est éparpillé, enfin, c'était le trou du cul du monde. Et moi, je croyais que j'allais trouver de l'internet dans la rue. Et de là, je me dis, bon ben là, je sais pas trop où dormir, je sais
qu'à la prochaine étape, c'est l'étape que je m'étais fixée, qui a une auberge, bon bah je vais continuer. Et là je croise un couple qui revient en fait du même sentier que moi, mais dans l'autre sens. Eux ils faisaient le même parcours, mais dans l'autre sens. Et la dame me dit, bah non, en fait, vous pouvez pas repartir, c'est impossible, tu peux pas marcher sur ce sentier. Alors la dame, elle était blessée, elle s'était fait une entorse, elle était arrivée en marchant sur l'épaule de son gars. Et elle me dit, moi je me suis fait une entorse, c'est impraticable, il y a eu des éboulements, il y a des cailloux de malades sur la route, enfin sur le chemin, faut presque les escalader, tu peux pas y aller, tu peux pas faire ça de nuit, c'est impossible. Et là je me suis dit, mais là je commence seulement à comprendre en fait. Je me dis, mais merde, mais en fait, je lui explique, je lui dis, mais j'ai pas le choix parce que là, je sais pas où dormir ici, je sais pas où aller. Et la nana, elle me dit, bah, c'est pas grave, t'as qu'à venir avec nous. Nous, on a une auberge ici, on a appelé, on a réservé. Il y a quelqu'un qui va venir nous chercher là. Tu viens avec nous dans le taxi, enfin, dans le taxi, dans la voiture, et tu demandes, tu dors là-bas, tu demandes où tu peux dormir. Donc la nana arrive pour venir nous chercher. Elle me confirme que je pourrais être hébergée là-bas, que je pourrais dormir là-bas, qu'il y a une chambre de libre pour moi. Donc impeccable, je monte dans la voiture, je vais avec eux et j'arrive dans cette auberge. Le couple va dans sa chambre, la dame elle leur dit où est leur chambre. La dame me dit j'arrive, elle part, elle revient, elle me dit voilà, bah en fait ta chambre c'est celle-là. Et elle part de l'auberge, elle s'en va. J'ai compris à ce moment-là que c'était pas une dame de l'auberge, c'est que juste il y a pas beaucoup de voitures dans ce tout petit village au milieu des montagnes, et que c'est sûrement une voisine ou quelqu'un qui est venu nous chercher, qui nous dépose à cette auberge. Et en fait, si j'ai bien compris, la nana, en fait, c'était le docteur du village qui a fait aussi taxi pour nous, quoi. Pour vous dire un peu le type de village que c'est, quoi. Et en fait, ma chambre, c'était une chambre ultra typique. C'était vraiment le truc ultra traditionnel, avec les portes coulissantes, avec le tatami au sol, mon matelas au milieu de la pièce, il y avait que ça. Et mon oreiller avec du riz à l'intérieur. On aurait dit un sac de riz en fait, mon oreiller. Et très confortable d'ailleurs. Une toute petite fenêtre au fond. Fenêtre qui était ouverte et que j'ai laissée ouverte toute la nuit. Et il a plu toute la nuit. C'était incroyable. J'ai trop bien dormi là-bas. Je croise le couple à un moment donné qui me dit où est la salle de bain et qui me dit qu'il y a un bain chaud qu'on peut utiliser. Et les bains chauds en fait traditionnels japonais en fait. Et donc je vais à la douche. C'est une salle de bain, une vieille salle de bain. C'est très vétuste, hein. C'est vraiment un vieux village quoi. Il faut vraiment s'imaginer qu'on n'est pas dans les grandes villes, qu'on est dans une campagne de montagne. Et donc c'était tout carrelé en rose, donc pas du tout comme les salles de bain roses carrelées françaises. Hein. Partout, 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 mur, plafond, sol. Il n'y avait pas d'espace délimité pour la douche, il y avait juste la douche, ça pouvait aller partout en fait. Un petit lavabo, la baignoire c'était un rectangle comme ça, je pouvais pas étendre mes jambes en entier, je crois, dedans. C'était un bain où le couple d'avant était allé, hein. On partageait le même bain, hein, sachant qu'eux aussi avaient randonné, que ben voilà. Mais là, après la journée que j'avais passée, incapable de dire non à ce bain. C'était vraiment, mais genre, il m'a appelé ce bain chaud. Et ça fumait. En fait, dessus, il y avait un couvercle en bois qu'on enlève. Et ça fumait. Et oh là là, cette sensation quand j'ai rentré mes jambes, genre du bout de mon pied jusqu'au haut de ma jambe, la chaleur qui venait soulager mes genoux et tout. Enfin, c'était vraiment, mais j'ai failli pleurer de bonheur. C'était le meilleur bain de toute ma vie. Je prends mon bain, je vais prendre ma douche, je me lave, tout ça. Je vais manger dans ma chambre et j'attends que quelqu'un vienne me voir pour me dire le prix que je vais payer, pour me dire, enfin, je sais pas, qu'on vienne me dire quelque chose, quoi. Ils m'avaient jamais vu, ils ont pas vu ma tête, ils savaient pas qui j'étais, quoi. Donc personne ne vient, je finis par me coucher, je dors. Le lendemain matin, je me réveille assez tôt, je sais plus, 7h, 8h, un truc comme ça. Personne ne vient. Je vais faire un tour, je vois personne. Je retourne dans ma chambre, je prépare toutes mes affaires, je suis prête à partir. Il est peut-être 8h, 8h30. Il n'y a toujours personne qui est venu me voir. Je me dis quand même, je sais le chemin que je dois faire. Je dois retourner là où j'étais la veille, au matin. Je sais que j'ai les genoux en vrac parce que la veille au soir, je n'étais plus capable de tenir debout. Je sais qu'à l'aller, j'ai fait que de monter. Donc au retour, je vais faire que de descendre. Je sais qu'il me faut du temps
pour arriver avant la nuit, quoi. Il me faut une longue journée, je peux pas partir à 11h du matin. Et donc là, il est 9h, je décide de retourner dans la salle, c'était une espèce de salle de restaurant, de petit déjeuner. Je retourne dans cette salle, il y avait un comptoir, mais il n'y avait personne. Et là, je me dis, mais il est 9h, il faut que je parte, en fait. Et donc, je ne savais pas quoi faire. Et là, il y a un mec qui sort de... Je pense que c'est son habitation qui était... Il y avait la porte juste à côté du comptoir. Et je sais pas, il a dû me voir par une fenêtre ou quelque chose comme ça. Et heureusement, et il sort de là. Je commence à lui demander combien je lui dois. Et là, je me rends compte que le mec ne parle pas un mot d'anglais. Mais pas un mot d'anglais. Juste du japonais, quoi. Mais il me dit quand même yes. Yes, mais il comprend rien ce que je dis. Il était trop mignon. Il était franchement adorable. Et j'essaie de lui expliquer combien je lui dois. Je lui montre mon porte-monnaie et tout. Il comprend. Il m'écrit un chiffre. Et je lui sors ma carte bleue. Et il me dit... genre, j'ai pas d'appareil à carte bleue, quoi. Ah oui, en fait, Marie. Je suis en plein milieu du trou du cul du monde. Des montagnes japonaises. Et je crois que le mec, il a un TPE normal. Donc, je n'ai pas de monnaie, j'ai pas du tout prévu de monnaie. Moi, en fait, ce que j'avais prévu de faire, c'était de prendre mon auberge sur Hostelworld. Là-bas. Pas là où j'étais. Donc, pas de monnaie. Donc, le mec, il finit par me dire. Donc, il comprend. Il finit par me dire, non, bah, c'est pas grave, vas-y, pars. Et je lui dis, bah, non, en fait, j'insiste, je veux le payer, quoi. Le mec, il est dans sa petite campagne, c'est son gagne-pain, je veux le payer, je suis pas là pour arnaquer les gens, quoi. Enfin, pour profiter des gens. C'est pas comme si dès le départ, on m'avait dit que j'étais invitée, quoi. Non, je dois cet argent. J'essaie de lui expliquer. Je trouve son auberge sur internet. Mais c'était pas Hostelworld, c'était pas Airbnb. C'était sur une plateforme spéciale. Alors, je crois que c'était la plateforme. C'était un peu bizarre. Je crois que c'est le site de ce truc de pèlerinage. Comme s'il y avait saintjacquesdecompostelle.com, quoi. Et on pouvait réserver son auberge à lui. Donc je lui dis, bah, est-ce que c'est ok si je paye par là? Donc c'était pas le même prix, c'était beaucoup plus cher par là. Mais je lui dis, est-ce que c'est ok si je paye ici? Et il me dit, oui, d'accord. Donc je vais sur le site, j'essaye de faire un compte, et impossible de finaliser la création de mon compte parce que je ne reçois jamais le mail de confirmation. Donc j'étais sur son wifi qui était pas ouf. De toute façon, je crois que je l'ai jamais reçu ce mail. Donc impossible de créer mon compte, donc impossible de le payer. Donc je savais pas comment faire, pas de monnaie, pas de carte bleue, pas possible de le payer sur internet, je fais quoi? Et il me dit pars quoi, et je lui dis non. Et le mec, il commence à prendre un papier et il m'écrit des trucs en japonais. Et je lui dis mais je comprends pas, je sais pas, ça me sert à rien quoi, enfin je comprenais pas ce qu'il faisait. Et il arrive à m'expliquer, alors je ne sais plus comment, que ce papier, il faut que je l'emmène à la poste de la ville où je vais arriver ce soir. La ville où j'étais la veille au matin, quoi. Il faut que j'aille à la poste, que je leur donne ce papier, et eux, ils me font leur virement. Il m'avait mis en fait ses coordonnées bancaires, il avait mis son numéro de téléphone, et il avait tout expliqué en japonais en fait. Il avait expliqué que cette nana me doit tant d'argent, il faut me faire un virement sur ce compte. Donc, vous imaginez la confiance du type. Bon, ok, il avait décidé de me laisser partir sans payer, mais quand même, enfin, ultra confiance, il me laisse partir avec ce papier-là en poche, quoi. Sauf que là, il est déjà plus de 10 heures. J'ai passé mais presque 1 heure à essayer de... En fait, on galérait vraiment à se comprendre. Je lui montrais des trucs sur mon téléphone, j'essayais de traduire et tout. Enfin, c'était ultra compliqué. Donc, je passe plus d'1 heure avec lui. Et là, il est plus de 10 heures. Je sais que la veille, je suis partie un peu avant 10 heures. Que je suis arrivée assez tard à son auberge. Donc, que le retour avec mes genoux, tout ça va être encore pire. Je me suis dit, mais je vais jamais arriver avant la fermeture de la poste, quoi. Donc, je suis partie avec ce papier, je me suis dépêchée comme jamais, et en fait, dès le départ de ma randonnée le deuxième jour, je me suis souvenue en fait de mon coach. J'ai pensé à mon coach de sport de Paris, avec lequel on avait analysé un petit peu mes positions de marche et de course, parce que je lui avais parlé de mon problème de genou, et il m'avait dit, alors j'ai un pied en fait, un pied droit et un pied qui se pose comme ça. Donc j'ai le genou un peu en extérieur quand je marche. Et en fait j'ai un tendon, un nerf ou un je ne sais quoi qui frotte du coup sur l'os de mon genou. Et c'est pour ça que ça finit par me faire mal. Et donc je me suis rappelé ça. Je me suis rappelé des corrections de posture qu'il m'avait dit de mettre en place. J'ai fait très attention à vraiment en fait avoir des postures ultra parallèles. Parce qu'à gauche, en fait, j'ai une bonne posture, c'est à droite que ça va pas.
Et donc j'ai vraiment essayé de faire en sorte que mon corps marche de la même façon à gauche et à droite. Et en fait, j'ai réussi à ne pas avoir mal. Alors j'ai eu des petits moments où j'ai commencé à avoir mal au genou et j'ai vite rectifié et j'ai passé la journée sans avoir mal au genou. J'étais tellement fière de moi et j'en ai fait de la descente. Hein. J'étais tellement fière de moi, j'étais tellement contente, genre reconnaissante envers mon coach que je lui ai, le soir, enfin le lendemain, je lui ai envoyé un mail pour lui expliquer, pour lui raconter le périple et pour lui dire que grâce à lui j'avais pu vivre ma deuxième journée et que c'était incroyable. Enfin, et j'ai réussi à finir cette journée. J'arrive à un peu plus de 17h dans la ville dans laquelle je devais arriver. Je me dépêche de trouver la poste. J'arrive à la poste, je vois que c'est ouvert, alors je suis soulagée de fou. Et j'arrive, alors là-dedans ils sont tous. C'est pas la poste de la France, hein. Il y a plein de bureaux. Je sais pas, ils étaient peut-être 15 bureaux, un truc comme ça, et il restait 6 ou 7 mecs, que des hommes. Je sais pas si c'est habituel ou si c'était un hasard. Tous en costard cravate, chemise blanche, cravate noire, la petite coupe de japonais qui va bien. Et j'arrive et je leur donne ce papier. Et alors eux, ils parlaient anglais pour le coup, en tout cas le mec avec qui je parlais parlait anglais. Enfin, je crois que d'ailleurs le premier m'a redirigé vers son collègue parce qu'il parlait pas anglais. Et donc le gars lit le papier et il me dit. Sauf que là, la poste est ouverte, mais le service banque est fermé. Donc on peut pas aujourd'hui, il faudra revenir demain. Et je lui dis, ouais, sauf que demain, moi, je suis pas là. Donc je lui explique, je lui dis, c'est pas possible. Demain, je repars pour Osaka. J'avais toute la route, en fait, à refaire dans le sens inverse avec mon train et tout. Je repars pour Osaka. Je devais préparer mes valises et tout, parce que le surlendemain matin, on prenait l'avion avec mon frère. On devait repartir à l'aéroport. Je lui dis, je pourrais pas, j'aurais pas le temps, il faut que je le fasse ce soir, c'est mon seul créneau, je ne pourrais plus le payer ce monsieur en fait. Et lui, il me dit, tenez-vous bien, encore une preuve de la confiance qu'ont les Japonais envers les autres. Il faut savoir que là-bas, tout le monde respecte tout le monde. J'ai remarqué à plusieurs reprises que les gens se font vachement confiance, que les gens respectent les autres, respectent les règles, c'est propre, c'est carré, c'est. C'est le Japon quoi. Et donc le mec du haut guichet me dit je sais ce qu'on va faire. Il appelle le gars, il parle avec lui en japonais, machin, il raccroche, il me dit ok, j'ai son adresse, ce qu'on va faire c'est que vous allez aller retirer de l'argent au distributeur là, et on va lui envoyer l'argent par la poste, dans une enveloppe. Le gars il prend une enveloppe normale blanche là, il écrit l'adresse. Je lui donne mes sous que j'ai retirés, comme c'était pas la pointe, c'était pas le bon montant, il me fait la monnaie. Et donc j'avais des billets et des pièces. Et le gars met ça dans l'enveloppe. Donc il y a des pièces dans l'enveloppe quoi. Le facteur et tous les gens dont ça va passer entre les mains savent qu'il y a de l'argent dedans. Mais non, confiance aveugle. Il me dit on va mettre ça dans l'enveloppe et on lui envoie. Voilà. Voilà comment j'ai payé ce monsieur de la montagne. Je n'ai jamais pu savoir s'il avait effectivement bien reçu cet argent. Je l'espère de tout mon cœur. Et donc voilà, c'était mes histoires un peu rocambolesques au Japon. C'était un voyage incroyable et ces deux jours-là, je pense que c'était les deux jours les plus forts de toute ma vie. J'ai appris tellement pendant ces deux jours, j'ai appris tellement de moi en fait, sur moi, j'ai appris à me connaître, j'ai appris mes limites, j'ai appris à les dépasser, j'ai appris à faire attention, à écouter mon corps. J'ai appris tellement de choses, en fait, c'était deux des plus beaux jours de ma vie, je dirais même 3-4 jours, puisque en fait, depuis le début de mon histoire, j'ai fait. Enfin, c'était que une expérience où j'ai fait que apprendre et grandir. Et je me suis découverte en fait pendant ces deux jours-là. Et c'était juste incroyable, malgré toutes les péripéties et sûrement même à cause de toutes ces péripéties. Purée, mais attendez, j'ai complètement oublié de vous raconter une histoire. Je suis dans les photos et dans les vidéos du Japon là pour vous monter la story time avec des images. Mais j'ai complètement oublié un truc. J'étais à Nara avec mon frère, donc on a visité la ville la première journée et au lieu de retourner, j'ai pas pété, hein, j'ai fait grincer mes ongles sur le matelas. Et donc on a visité Nara la première journée et on s'est dit qu'on aimerait bien rester une deuxième journée et du coup on a pris une auberge de jeunesse. Et pour aller de là où on était
quand on a réservé l'auberge de jeunesse sur internet jusqu'à la fameuse auberge de jeunesse, on traverse un parc dans la nuit. Dans ce parc-là, moi je suis au téléphone, je ne sais plus avec qui. Et donc je fais un petit peu des allers-retours, je parle au téléphone, pendant que mon frère prend en photo la route avec... Il y avait un torii rouge, c'est les grandes portes là, japonaises, à la sortie du parc, qui donnait sur une route. Et donc mon frère prenait des photos en pose longue pour prendre les feux des voitures qui passent avec ce fameux torii. Et donc, pendant qu'il faisait ça, je faisais mes allers-retours au téléphone, j'en avais un peu marre, je m'assois sur le talus, et à un moment donné, je passe ma main comme ça, je sais plus ce que je fais, je sens un truc, je fais ça, et en fait, je sens le truc qui m'agrippe le doigt. Comme, vous savez, si c'est un scarabée qui s'accroche, ça agrippe. Et je commence à paniquer, je dis à mon frère, j'ai un truc, j'ai un truc, j'ai un truc, regarde ce que c'est. Et mon frère va dans mon dos. Et là, au lieu de me dire quelque chose, il fait rien, il touche rien, il dit juste oh putain, oh putain, oh putain. Et moi, je suis en panique avec mon téléphone que je laisse complètement tomber. Et en fait, il arrive à le virer par terre. Et je vais vous mettre la photo. Là, je sais pas la place qu'il y a, à quel endroit. Je me suis donc fait piquer le doigt par un gros. Comment ça s'appelle? Un mille-pattes géant rouge, mais quand je vous dis géant, c'est... Et encore celui-là, c'était un bébé, hein. Ils peuvent être beaucoup plus gros. Je vais vous montrer la photo, là on voit juste à côté de ma chaussure, je vous laisse imaginer la bête. Et on arrive enfin à l'auberge de jeunesse. Ça me lance le doigt et tout. Et la dame, je lui explique, je lui montre la photo à l'accueil direct, premier truc que je fais, je lui dis, je me suis fait piquer par ça. Et je lui dis, je bégaye en anglais. Comment est-ce que je lui dis? Ah ouais, je lui dis... It's okay, it's okay. Et elle me regarde, elle dit, it's not okay. Elle me dit, tu dois aller à la pharmacie chercher des médicaments tout de suite et tout. Dépêche-toi, cours, la pharmacie, elle ferme dans 5 minutes, elle est à tel endroit, machin. Oh, je repars en courant dans le centre-ville pour arriver à la fameuse pharmacie. Et le mec m'a vendu, hein. M'a vendu une crème qui est pour les frelons, les mille pattes comme ça, toutes les bébêtes vraiment pas gentilles au Japon. Et donc voilà aussi une des péripéties qu'on a eues avec mon frère au Japon. Donc franchement, ma mère, elle a vraiment pas dû bien dormir pendant qu'on était là-bas. Je vous laisse avec la suite. Et c'était juste incroyable, malgré toutes les péripéties et sûrement même à cause de toutes ces péripéties. C'était incroyable. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu. C'est très très long. Je vais aller manger, faire le montage qui j'espère ne me prendra pas 6 heures, le mettre en ligne. Je vous dis à demain et je vous fais des bisous. Marine voyage dans l'Afrique avec Morphée, Iris et puis Litchi à bord de leur Renault Master. Parcours le monde.